dans mes rapports avec la France. Je suis arrivé à la DCGTX, il y avait 150 expatriés et 3850 employés ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient 48% de la masse salariale, à 150 la moitié des salaires. Donc, en fait, j'ai licencié tous les 150. Et je leur ai proposé, la semaine de mon arrivée, un contrat ivoirien. Il y en a 9 sur les 150 qui sont restés, 141 qui sont partis. J'ai trouvé les fonds pour payer leurs droits de licenciement et j'ai nommé des Ivoiriens à tous les postes de direction. Et donc j'ai eu le chef de la mission de coopération française dans mon bureau qui m'a dit « Mais vous, monsieur Thiam, nous on veut savoir si vous êtes pro-français ou anti-français. » Et je lui ai dit… – À l'époque déjà ?– Oui, je lui ai dit « Monsieur, ni l'un ni l'autre, je suis juste pro-Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. » – Parfait.